Le programme de recherche Parabellino se propose d'appréhender les massacres, les violences extrêmes et la transgression en temps de guerre à travers les expériences grecques et romaines dans une perspective comparée et pluridisciplinaire. Ce programme est lauréat de l'appel à projets spécifiques lancé par l'Agence Nationale de la Recherche sur le thème « Génocide et violence de masse ». Ce programme est coordonné par le CRHIA et mené en partenariat avec le CERIC, le CREA et le laboratoire Isteme. Il réunit une vingtaine de chercheurs français et étrangers et associe plusieurs doctorants et postdoctorants. Ce programme s'inscrit dans la continuité des travaux menés par plusieurs membres de l'équipe sur les sièges paroxystiques, les violences de masse et les atteintes portées au corps. On citera notamment l'ouvrage de Nathalie Barandon sur les massacres de la République romaine ou encore les trois tables rondes que nous avons dirigées sur la transgression en temps de guerre de l'Antiquité à nos jours. Les massacres et les violences extrêmes ont tenu une place prépondérante dans nos débats et expliquent que nous ayons répondu à l'appel à projet de l'ANR, dont les axes thématiques sont en définitive au cœur de nos préoccupations depuis plusieurs années. La volonté de l'ANR de renforcer notre compréhension des génocides et des violences de masse répondait parfaitement à notre souhait de donner une place à part entière à l'Antiquité dans ce champ d'études. En effet, à la suite de la guerre en ex-Yougoslavie et du génocide des Tutsis au Rwanda, l'histoire ancienne a investi cette thématique des violences extrêmes. Toutefois, jusqu'à ce jour, aucune analyse complète des massacres et des guerres d'anéantissement de l'Antiquité n'avait été entreprise. Par ailleurs, la récurrence de ces phénomènes observés tout au long de l'histoire impose de revenir à ses origines. Un point commun à interroger est la transgression qu'ils ont pu représenter. Le programme scientifique se décline alors selon trois axes de recherche. Le premier permet d'établir une typologie des violences extrêmes et des massacres dans les sociétés grecques et romaines. Dans quel contexte se produisent-ils Quels sont les mécanismes, les processus qui les déclenchent Les questions sont nombreuses. Elles sont à la base du corpus numérique et analytique que doit élaborer le programme. Le deuxième axe pose la question des limites et des seuils de tolérance. En quoi des actes jugés transgressifs sont-ils susceptibles de mettre à mal les principes qui ordonnent et font société Comment les neutraliser, les circonscrire, voire les dépasser L'axe 3, quant à lui, interroge les traumatismes laissés dans les sociétés anciennes. Comment ces sociétés les ont représentées et comment ont-elles réussi à les dépasser Trois thématiques transversales, l'identité, le genre et le sacré, constituent le fil rouge de ce programme. Les résultats de cette recherche collective font l'objet de manifestations scientifiques et seront ensuite publiés dans des revues ou des ouvrages. En complément, des ressources documentaires sont mises en ligne sur le site parabeino.com afin de diffuser nos résultats. Ainsi, le programme Parabeino, tout en centrant sa recherche sur l'Antiquité, se propose d'interroger l'universalité des massacres et des violences extrêmes, et, ce faisant, de participer à la réflexion d'ensemble qui a commencé à être menée sur les génocides et les violences de masse.